Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer de m'accompagner une journée dans mon assiette. Donc j'ai jamais proposé ça sur ma chaîne. Je me suis dit pourquoi pas, étant actuellement dans mon 8e mois de grossesse, je me suis dit pourquoi pas montrer un petit peu mon alimentation. Pour cette grossesse, j'ai pas pris énormément de poids, j'ai pris 11 ou 12 kilos pour l'instant. Donc j'en suis ravie, sachant que pour ma première grossesse, j'avais pris 25 kilos. Mais je les avais perdus très très rapidement. En 3 mois, j'avais perdu mes 25 kilos. Donc, d'ailleurs, après cette grossesse, je compte vous montrer mes astuces pour perdre le poids après l'accouchement. Donc, c'est vrai que de morphologie de base, je suis pas très épaisse. Je suis plutôt standard. Mais voilà. Donc, pour aujourd'hui, on a assez parlé pour l'instant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjeuné vers le coup de 11h. C'est plutôt un brunch. Donc, je me fais un gros repas vers le coup de 11h. C'est pas tous les jours comme ça, mais quand je suis seule, je déjeune bien à 11h. C'était salé. J'ai accompagné ça de clémentine parce que j'aime beaucoup ça. En plus, c'est la période, elles sont bien sucrées. C'était top. Avec du café et une demi-tomate. Donc, je me suis régalée. Concernant le café, j'essaie de boire seulement une tasse par jour pour pas boire, avoir trop de caféine dans mon organisme. Voilà ce que ça donne. Donc, je me suis régalée. Pendant que je déjeune, j'aime beaucoup m'informer donc sur ce qui se passe, notamment dans l'économie et la finance, puisque je travaille quand même dans la finance. Voilà, l'objectif, c'est quand même de rester informé sur ce qui se passe dans le monde de l'économie et de la finance, histoire de ne pas se retrouver complètement à l'ouest à mon retour au travail. Donc voilà, j'aime beaucoup ce tamis cabbage. Alors, on se retrouve pour le goûter. Comment vous dire que j'étais ravie de vous montrer mon nouvel investissement? Donc, c'est un pelle pomme. Étant donné que je suis une personne qui consomme énormément de pommes, je fais beaucoup de tarte aux pommes, je fais beaucoup de crumble, les pommes c'est toute ma vie. Donc je me suis dit, fonce, investis. Donc j'ai pas payé ça cher. C'est pas un investi, c'est pas un placement de produit. C'est vraiment moi qui l'ai acheté et vraiment je regrette pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi je l'ai pas acheté plus tôt. Donc je coupe mes pommes, j'en ai coupé 3, je les coupe grossièrement. Dans une casserole, je mets. Enfin, une poêle, je mets du beurre, je ne sais pas combien j'en ai mis, vraiment c'est vraiment à vue d'œil. Ensuite j'ajoute mes pommes, le sucre roux, pareil, donc le sucre roux je sais pas du tout combien j'en ai mis, c'est vraiment, j'ai saupoudré grossièrement mes pommes, j'ai fait revenir tout ça 5 à 10 minutes à feu moyen, on n'oublie pas de faire revenir, et puis là on va remplir nos ramequins, je pensais faire 4 crumbles avec la quantité de pommes que j'avais coupées. Finalement, j'en ai fait que 3. C'est pas grave, on est 3 à la maison. Donc là, j'ai fait 3 crumbles. Ensuite, j'ai décidé d'ajouter un peu de caramel. Donc j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis un tout petit peu avec une lame de couteau. J'ai fait en sorte qu'il y en ait un petit peu partout. Le caramel, c'est absolument pas obligatoire, mais j'en avais. Alors pourquoi s'en priver? Voilà, donc ensuite on va préparer le crumble tout simplement. Donc j'utilise 3 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de poudre d'amande, c'est facultatif aussi mais j'en avais. Ensuite j'ai mis un sachet de sucre vanillé et j'ai mis aussi environ 3 cuillères à soupe de sucre roux. Comme vous pouvez voir, tout est à l'œil, j'ai pas fait vraiment pile poil, mais je vous dis approximativement. Ensuite j'ai mis environ 40 grammes de beurre mou. Et voilà, et donc là on va tout simplement mélanger avec les doigts. Donc j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup sentir le beurre comme ça avec la farine sur les doigts. Mais bon, tout le monde n'aime pas ça, mais moi j'aime beaucoup. Ensuite, une fois que notre crumble est prêt, on va le mettre sur nos pommes et notre caramel. Voilà, donc j'en mets pas mal parce que je trouve que. On sent pas assez le crumble, c'est pas un vrai crumble. Et puis on va enfourner tout ça 10 minutes sous le grill jusqu'à que ça soit doré. Et voilà le résultat, j'ai mis des petites framboises pour décorer. Donc voici mon crumble. Donc on se retrouve pour le dîner. Donc j'ai décidé de faire du poisson avec des légumes. Donc pour cela, j'ai utilisé 5 pommes de terre moyennes. Donc ça, c'est une recette pour moi, mon mari et mon bébé. Enfin, mon bébé, il a 2 ans quand même. Donc, je coupe 5 pommes de terre en cubes. J'y ajoute un petit oignon. Voilà. Ensuite, on va aussi couper 2 courgettes. Pareil, je les coupe en cubes.
Alors, ce sont des courgettes bio, c'est pour ça que je laisse la peau. Après, si vous aimez pas, vous pouvez enlever la peau, bien évidemment. Je vais mettre tout ça dans deux récipients différents. Pourquoi? Parce que comme je vais cuire tout ça dans mon air fryer, je sais pas combien de temps je vais cuire la courgette. Du coup, je préfère séparer la cuisson. Donc, je mets une gousse d'ail dans mes courgettes et une gousse d'ail dans mes pommes de terre. Je lui mets un petit peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Et ce qui est bien, en fait, c'est que vous pouvez mettre de l'huile d'olive, mais avec le air fryer, tout l'excédent d'huile, il va aller au fond du panier. Et donc, on n'aura pas, ça sera pas vraiment gras. C'est ça qui est bien. Donc là, on mélange bien le tout. Et je vais commencer par cuire les courgettes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas combien de temps j'allais les cuire par rapport à la machine, parce que c'est la première fois que j'allais les cuire avec cette machine. Du coup, ça a cuit 15 minutes à 180 degrés. Voilà. Pendant que mes courgettes étaient en train de cuire, j'ai pris du cabillaud, j'ai mis dessus du pesto et j'ai mis au four 12 minutes à 180 degrés. Ensuite, vous pouvez voir le résultat de mes courgettes. Donc, c'était super bon, c'était pas du tout gras, vraiment top. Après la cuisson de mes courgettes, on va passer à la cuisson des pommes de terre. Donc, on va les mettre dans le même bac. Et là, par contre, je vais les mettre 28 minutes à 180 degrés. Donc là, j'ai un programme qui est spécifique pour les pommes de terre. Voici le résultat de mes pommes de terre. Donc c'est pas la première fois qu'on les fait ensemble. J'ai mélangé les pommes de terre et les courgettes ensemble avec mon poisson qui était beaucoup trop cuit. J'ai le oublié au four. J'étais au téléphone, j'ai complètement oublié mon poisson. Mais bon, c'est pas grave, c'était quand même très bon. Voilà, j'espère que cette recette vous plaira et que vous avez aimé cette petite vidéo, ce petit partage. Donc voilà, j'espère que ça vous change un petit peu les idées, que ça vous divertit, que ça vous donne aussi des idées pour vos recettes à vous. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous.